On est juste un petit, encore un petit juste avant de démarrer le stream, tranquille, en douce, ils vont rien calculer. Et, de toute façon, ils ont pas l'image, ils sont trop bêtes. Oh, putain, qu'ils sont bons ces cookies. Tu sais, ces cookies tout mous là, genre tu les mets sur la langue, ils fondent quoi. C'est du viol buccal, quelque part. Parce que quand on a bouffé un, bah là, alors ils ont mis une limite dans le paquet, il y a une petite feuille pour séparer deux étages, pour dire, ce serait temps que tu t'arrêtes quand même là. Le stream a commencé. Ah ouais. Ouais. Bonjour! Comment ça va? Ah, oui. Bah, il est 19h, hein, comme tous les jours. J'ai bien envie de me soucier. Non, je ne mange pas. Et on va faire un stream sur un shmup. C'est étonnant, non? Mais aujourd'hui, on va faire un stream sur un gros shmup. C'est pour ça que je prends des forces. Parce que ce shmup, c'est un shmup des années. Bon, on est arrivé au début des années 90, hein, 89, on est plus loin. Et regardez-moi ce visuel. Skye Adventure. Où on va vous promettre un gros scénario, puisque vous allez lutter contre le mal maléfique. Et entre autres, des tas de choses mutantes, dont je sais pas. Enfin, ça me semble pas très cohérent, mais c'est pas grave. Nous, du moment que ça fait des trucs à flinguer, on est plutôt pour. Est-ce que ce jeu de SNK vaut le coup? Alors là, c'est la grosse question, et on va tenter d'y répondre ensemble, bah, en l'essayant. Est-ce que j'ai déjà essayé ce jeu avant? Non. Est-ce que j'ai repris des gâteaux, des cookies? Non, pas du tout. J'enlève un truc que j'ai derrière une molaire. Voilà. Très bon, il est plus. Il est parti le truc. Nous, il faut juste que j'enlève le visuel. Donc. C'est le temps que ça initialise l'arôme. C'est normal. J'ai le temps d'en reprendre. Non, dommage. Oh putain que c'est bon ces cookies. Ouais, c'est des soft baked, hein, si vous voulez m'en envoyer. Je prends que cela. Parce que c'est de la drogue dure, quoi. Du sucre, du gras, du chocolat, c'est juste parfait. Revenons à notre sujet d'expérience. Donc, nous sommes le baron pète un plomb. Et apparemment, il se trouve qu'il y a des expériences mutantes quelque part dans le monde de la part d'un super vilain qui voudrait conquérir la planète, on n'en doute pas. Je vais peut-être vous remonter un poil le son du jeu qui doit être un petit poil light chez vous. Parce que ce serait dommage d'échapper à une partie bruitage qu'on sait qui va être travaillée énormément. Regardez-moi ça, des plantes carnivores mutants, tout vous attaque, tout est à proprement parler une menace pour votre vie, même les arbres, quoi, je veux dire. Et ce dinosaure, qui correspond parfaitement à cette période où nous avions des biplans. Sans plus attendre, je sens que vous êtes aussi impatient que moi de foncer dedans. Et c'est donc ce qu'on va faire. Acte 3. Oh, on va regarder quand même ce bout de démo. Oh, on peut choisir son vaisseau, dis donc. C'est quoi ces tirs de 1 pixel? J'espère qu'ils n'auront pas l'idée de donner aux ennemis, enfin à certains ennemis, un tir de 1 pixel à eux aussi, parce que sinon ça risque d'être compliqué. J'ai pas. Ah si, j'ai mes lunettes pas trop loin. Ça devrait bien se passer. Enfin, ça se passera pas terrible, je sens. Appréhension, doute. Éloignez-vous de moi. Vite, rushons dans le jeu. On va essayer de suivre le scénario parce que ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Alors, la générosité est de mise puisqu'on a le choix du vaisseau, enfin de l'avion présentement. Ah que donc, moi je vais prendre celui-là. Grosse musique! Alors, les tirs s'annulent, c'est rigolo. C'est assez mal barré pour eux s'ils veulent que que je souffre. Oui, non, mais on n'aime pas trop les indigènes par chez nous. Alors, je vais mettre cette dernière phrase dans une case de modération, puisque je n'ai toujours rien compris au scénario, et puis du coup, j'ai moins envie de comprendre, parce que je suis de ces gens qui ont autant de respect pour le colonialisme que le papier cul.
Depuis la zik est bien. On sent que. On est en mission, quoi, il y a du danger. Ah, c'est la machine à donner des bonus, ok. L'autre, il me nargue. Je sens qu'il va m'envoyer une petite flopée de boulettes super désagréable. Juste pour s'annoncer. Non, ça va, c'est des petits missiles qui, pouf, en insistant un peu, peuvent se cancel. Ah, mais il faut pas trop lui frotter le yonf, donc. Mais la provoque, mais laisse tomber, on se retrouvera, Superbad, on se retrouvera. Et tu auras mon courroux et tout ce qui va avec. C'est-à-dire le cou, le loup et le coucou. Le courroux pour le coucou. Oui, je sais, c'est un truc de vieux, vous pouvez pas comprendre. Et sinon, vous avez mangé quoi hier? Non, je suis pas en train d'exprimer de l'ennui dans le jeu, mais je peux pas lire, parce que il me manque une main pour tourner les pages. Quoique, infirmière, oui, sors de là. Bah oui. Apporte-moi un bouquinet. Y'a que le Figaro? Fais chier. Bah non, j'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai pas besoin de papier pour m'essuyer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire chez SNK, quoi? Parce qu'ils avaient quelques bouts d'idées, ils avaient un graphiste qui était en pleine forme. Sauf pour les backgrounds, qui sont quand même un peu... genre les tiles, on peut les découper, là, quoi, ils sont clairement visualisés. Toi, t'es un peu vif, mon ami, je vais vite te calmer. Ouais, j'ai pas une super bombasse, comme on dit chez les professionnels. Ah, elle était moche, ma bombasse. Hein. S'il devait y avoir du grand spectacle, faudrait prévenir les gens qu'on va annuler, quoi, parce que... Non, point de grand spectacle, il n'y aura. Tiens, pense dans une autre. Je crois que tu aimes bien. Alors, que dire de ce jeu? Je ne sais pas. On va voir, on va essayer de faire durer quelques niveaux. Parce que là, je suis pas loin de... Donc il me fait des prises de karaté carrément, tu sais. Vas-y, fais-toi plaisir. Les boss sont particulièrement étranges dans ce jeu. T'as plus de tête et c'est chouette, t'as plein. On va voir. Laissons-lui sa chance. Pour l'instant, ce jeu me convainc pas du tout. Il est praticable, mais il n'y a aucune extase. Vous avez vu comment on s'emmerde à traverser les niveaux. Et apparemment, les connaisseurs peuvent choisir un avion plus ou moins adapté à leur parcours. Acte 2. Les plantes mutantes. Et non, les bégonias, ils ont bien changé. Hein. Et puis j'ai l'air super relou avec mon tir tout pourri et ce triceratops qui ressemble à un triceratops. C'est une joie d'ailleurs. Et ce bonus que j'attends désespérément, mais qui n'arrivera jamais. Parce que là, il me crache à la gueule, je peux pas répondre. J'aimerais bien faire de même, mais... ça va pas être possible. Eh non. Même mon assistant. Bon, ils sont deux, on va les laisser faire. Alors les gars, ils prennent leur temps en haut, et après, ils mettent plein de gaz. Dites les gars, il va falloir se calmer un jour. Hein. Eh ouais, non, mais moi je suis pas là pour amuser la galerie. J'ai des vélociraptors, tranquille. Non, mais toi tu m'as assez provoqué. Hein. Là, cette fois, ça ne passera pas. Il est en train de me miner mon espace de liberté. On dirait un employé du gouvernement qui essaye de bâillonner la liberté des gens. T'es en train de te lâcher une petite bombe sur la gueule. Je suis très désappointé. Mais bon, tu ne m'as pas anéanti. J'ai toujours mon tir. Ce jeu restera incompris. Hein. Moi, me demandez plus de vous fournir des explications de pourquoi je flingue des dinosaures. Pourquoi le mec que j'ai bousillé, il revient. Parce que en 3 minutes, il a eu le temps de retaper son avion.
Alors que moi, il faut que j'aille chercher de l'argent pour remettre dans la borne. Et pourquoi j'ai les boules de Indiana Jones qui me déboulent sur la gueule? Ça aussi, pareil. Il y a des moments où il faut abdiquer. Allez sur Internet, essayez de trouver le scénario de ce jeu. Je pense qu'il doit être tout à fait édifiant. Et il doit tenir dans 300 pages. Oh connard intergalactique. Oui, ça venait du fond du cœur. Hein. Même quand on met sa méga bombe, ça ne cancelle rien. Enfin, pas les gros objets comme c'est Dr. Jones, Dr. Jones. Boule. Je suis très content que tu sois passé, toi. T'aurais pu lâcher des chopes de bière aussi, ça aurait été sympa. Pep, qu'elles sont chiantes ces boules. Alors, ce jeu. J'ai beau avoir une bonne marge de tolérance. J'arrive pas à le mettre dans les sectionnés. Oui, vous voyez bien ce qu'il attend, la fameuse malle maudite au grenier où on archive tous les vieux shmups qu'on ne veut plus trop recroiser. Bah, c'est ce qui risque de lui arriver comme destination finale. Parce que. Oui, si on était paumé au fin fond de la combrousse et qu'il n'y avait que ça comme jeu, ça devait être bien. Mais si par malheur il y avait une autre borne à côté, je pense que quel que soit le jeu, les gens fonçaient dessus, quoi. C'est parti. Comment ça, je simule très mal l'euphorie. C'est parti. Hey, c'est parti. Ah oui, ça c'était des ennemis, ok, il fallait le savoir. Ouais, oui, mais... No comment. Donc des petits trucs de 5 pixels, ça t'envoie quand même des flopés de boulettes où t'es là, tu fais mais il est stock où, il a pas de poche déjà et d'une. Hein? Des cafards, faudrait m'expliquer là. Alors non, ce sont pas des cafards, ce sont d'autres insectes. Beaucoup plus nobles. Mais oui, c'est un shmup quand même. On a des ennemis nobles. Des méduses, tranquille, ok. Peinard, vas-y. Non mais on va avancer dans ce jeu, parce que moi je veux savoir jusqu'à quel point les développeurs se sont drogués. Et quelles étaient leurs drogues d'ailleurs. Moi j'opterais pour des champignons. Oh, ma méga bombe est pourrie, même ma méga bombe est complètement nulle. Genre, on dirait un truc pour décorer à mettre au-dessus de la cheminée, mais niveau efficacité. Le tir avant arrière, est-ce que ça va avoir une utilité? Je ne sais pas. Tu as encore fait réparer ton vaisseau toi? Je pense que je vais t'en mettre plein la gueule. Ah mais tu vas voir. Bouge court, Raoul. Tu n'as jamais entendu parler du tonneau fumeux, toi, apparemment. Le tonneau fumeux qui est donc une technique que seuls les grands pilotes peuvent réaliser, puisque ça consiste à manger 5 boîtes de cassoulet la veille. Et le lendemain, se balader cockpit ouvert et frôler les ennemis. Je vous laisse deviner le reste, hein, c'est une histoire d'imagination et je sais que vous en êtes très fourni. Il va être long et chiant, lui. Je ferais pas mieux de mourir, en fait. Parce que là, entre le désespoir et l'ennui, je sais pas ce qui va me tuer en premier. Pff, mon méga tir est méga pourri. Je suis en train de prendre des toiles d'araignée là depuis que j'y suis. Super! On se reverra! Bon, je vais me laisser crever là parce qu'on a fait combien de temps? Oula, 13 minutes, mais c'est beaucoup trop long et il y a des. J'arriverai pas à m'y faire à ça. Non, mais tu me fous pas des méduses quand je suis en l'air quoi, gars. Faut arrêter Non, mais les champis, c'est mal. Non! Non, non, non! Non, ne me donnez pas d'argent. Le monnayeur est cassé. Ça ne passera pas. Voilà. Oh, comme je suis heureux d'être sorti de ce jeu. À peu près indemne. Mentalement, il n'y a pas trop de séquelles. Sky Adventure, tu n'es pas sélectionné. Tu n'es certainement pas dans le top. Et tu vas vite aller au grenier rejoindre tes collègues qui sont amusants 3 minutes. Puis après, on se rappelle qu'on a d'autres vrais jeux pour jouer. Soyons sincères un minimum.
Moi, je vous donne rendez-vous si vous regardez l'intégralité de ces deux playlists, celle des jeux classiques et celle des shmup. Donc, une fois que vous aurez terminé de regarder tout ça, je vous autorise à venir demain à 19h pour un nouveau stream. Ciao, bye, au revoir, auf Wiedersehen.